Il y a 61 ans, tombé au champ d'honneur, le génie, le redoutable stratège militaire, le maître de la guérilla urbaine, l'architecte de la fameuse offensive du Nord constantinois du 20 août 1955, le commandant de la wilaya 2 historique, l'homme au chapeau de brousse vissé sur la tête, le colonel Zeroud Youssef. Né le 18 février 1921 dans le village Smendo, au nord-est de Constantine, Zeroud Youssef est mort à Sedim Zrich le 25 septembre 1956 dans un accrochage avec l'armée française. Il avait à peine 35 ans. Il était responsable du FLN combattant pendant la guerre d'Algérie dans le nord constantinois. Son village de naissance porte aujourd'hui son nom, ainsi que le boulevard Zeroud Youssef à Alger. Jeune, il fréquente l'école coranique en parallèle des cours qu'il suit à l'école primaire française. Après avoir obtenu le certificat d'études primaires en langue française, il quitte l'école en raison notamment de la limitation qu'imposaient les autorités coloniales françaises aux enfants musulmans. Élu du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, MTLD, en 1947, il fait partie de l'organisation spéciale, l'OS, qui doit préparer les conditions nécessaires à la lutte armée après que l'échec de la voie pacifique fût devenu flagrant. Arrêté en 1950 lors de la découverte de l'OS par la police coloniale et incarcéré à la prison d'Annaba, il s'en évade en avril 1954 et rentre dans la clandestinité pour s'engager dans l'action militante du Comité révolutionnaire d'unité et d'action dès sa création. Le 1er novembre 1954, il est aux côtés de Didouche Morad, responsable du Nord constantinois, qui deviendra la wilaya 2 de l'armée de libération nationale. Zeroud Youssef participe avec Morad Didouche le 18 janvier 1955 à la bataille d'Ouled Boukerker, à l'issue de laquelle Didouche Morad trouve la mort. Youssef Zeroud le remplace à la tête de la wilaya 2. Jacques Duchemin, journaliste au quotidien parisien L'Aurore, écrivait à son propos: ce loup maigre et sec qu'était Zeroud était néanmoins fort comme un bœuf, moustachu, bourru, père d'une petite fille qu'il adorait. Il avait décidé de faire la guerre aux Français, sans commettre pour autant des exactions. Il n'aimait pas tuer des civils ni achever des prisonniers. Son village natal porte aujourd'hui son nom, au nord-est de Constantine. Et un des grands boulevards de la capitale, ex-Sadi Carnot, porte aussi le nom de Zeroud Youssef.